LG Chaîne 3, le journal. La situation en Palestine continue de dominer l'actualité. Absolument, Hajar Messaoudi, mais avant de développer tous ces titres, cette information qui vient de nous parvenir en urgence, le dénommé Blahasni Yaqoub a été arrêté et expulsé aujourd'hui vers l'Algérie. Nous y reviendrons en détail après les titres. Je vous le disais donc, réunion d'urgence de la Ligue arabe en ce moment au Caire sur la situation à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères y participe, porteur d'une demande d'une action arabe commune concrète. La situation à Gaza est catastrophique. La bande de Gaza est sans électricité depuis cet après-midi. La centrale électrique a cessé de fonctionner. Le programme alimentaire mondial craint que les réserves alimentaires ne s'épuisent dans les prochaines 48 heures. Nous aurons la porte-parole du PAM dans ce journal. Un véritable génocide est en train d'avoir lieu en ce moment avec le soutien des États-Unis, dénonce le représentant de la Palestine à l'ONU. Et avant de parler de la situation à Gaza, cette information qui vient de nous parvenir, le dénommé Blahasni Yaqoub a été arrêté et expulsé aujourd'hui vers l'Algérie. Un avion d'Air Algérie est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene Alger en provenance de la ville de Francfort, transportant donc le dénommé Blahasni Yaqoub sous la garde des agents de la Sûreté nationale chargés de l'expulser d'Allemagne. Le sujet fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires algériennes. L'arrestation et l'expulsion aujourd'hui du dénommé Blahasni Yaqoub est le résultat d'une intense coordination entre les différents services de sécurité algériens ainsi que du rôle efficace de la diplomatie algérienne. Parlons à présent de la situation à Gaza. Gaza qui est plongée dans le noir. La centrale électrique qui alimente toute la bande de Gaza a cessé de fonctionner au moment où les raids israéliens s'intensifient sur tout le territoire avec un bilan des victimes. 1055 martyrs palestiniens et plus de 5184 blessés selon un bilan émis il y a quelques instants par le service de santé palestinien. Et à cause des coupures d'électricité, d'eau, de gaz et l'interdiction d'acheminer des aides vers la bande de Gaza, le programme alimentaire mondial craint un épuisement des ressources alimentaires dans les deux jours à venir. C'est ce que précise la porte-parole du programme alimentaire mondial, Abir Al-Atifa, que nous avons contacté cet après-midi. La moitié des locaux commerciaux sous contrôle du programme alimentaire mondial va manquer de produits alimentaires dans deux jours au plus tard. Le reste ne pourra pas tenir plus d'une semaine. Et avec les coupures d'électricité, les produits vont vite périmer. Gaza est maintenant plongé dans l'obscurité. Le programme alimentaire mondial distribue en ce moment des repas dans les camps de réfugiés. La situation sécuritaire complique toutefois le acheminement. Les réserves du PAM sont maintenant presque épuisées. Elles peuvent suffire seulement 44 000 personnes, ce qui reste en deçà des besoins. Le programme alimentaire mondial qui appelle la communauté internationale à aider la population gazaoui en urgence, population qui risque de se retrouver dans un état de famine. Le programme alimentaire mondial réclame quelque 17 500 000 dollars en urgence pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire pour les quatre prochaines semaines. Nous assistons donc à un véritable génocide. Les Palestiniens de Gaza sont massacrés par l'armée d'occupation. L'occupation qui utilise des armes prohibées telles que le phosphore blanc. C'est ce que précise l'ambassadrice de Palestine à Paris, Hala Abou Hassir. Un nettoyage ethnique est un vrai génocide dans tous les sens de terme. Et c'est un crime de guerre selon la 4e convention de Genève. Israël a saisi, il rate jamais une occasion pour massacrer le peuple palestinien. Mais là, l'ampleur, elle est gigantesque. Ça touche vraiment la vie et la survie de 2,2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza. 50% de la population sont des enfants en dessous de l'âge de 18 ans. Et 70% de toute la population dans la bande de Gaza est réfugiée. Ils ont déjà vécu la Nakba en 48. Ils vivent notre Nakba, mais avec une ampleur beaucoup plus grande, avec des armes encore plus sophistiquées. On voit la destruction. Les hôpitaux
sont à l'arrêt en ce moment-là. Depuis midi, ils ne peuvent pas fournir les soins aux blessés. Il y a plus de 5000 blessés dans la bande de Gaza. On est à plus de 1200 morts civils. Leur majorité sont des enfants et des femmes. Et le silence de la communauté internationale face au massacre à Gaza ainsi que l'aide des États-Unis à l'entité sioniste est considéré comme une véritable honte, précise Hala Abou Hassira, ambassadrice de Palestine à Paris. C'est l'échec moral et politique de cette communauté internationale qui chantait pendant des décennies les valeurs de liberté et d'égalité et de droit. C'est le droit qui est violé encore une fois aujourd'hui. C'est les civils qui sont ciblés, c'est les représailles interdites par le droit international. C'est la punition collective imposée aujourd'hui sur le peuple palestinien. Et c'est cette communauté internationale avec le système des Nations Unies qui a complètement échoué à rendre Israël responsable de ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité. Et les crimes sionistes s'étendent en ce moment à Jenin où les jeunes palestiniens sont ciblés par l'armée d'occupation. Comme le précise Najat Abou Raïta, elle est enseignante, elle a été contactée aujourd'hui par Linda Hamed. Les soldats israéliens ont tué hier deux jeunes de 19 ans, deux cousins. Et avant ça, ils ont tué un jeune qui est Abdel Khalim et qui habite le camp de réfugiés. Ils frappent même les ouvriers qui travaillent dans les territoires occupés. Jenin, Naplouse, tout le Kalem, les colons maintenant, ils descendent de leur colonie pour frapper, pour tuer. Avec la grande opération que la résistance palestinienne a fait dans la bande de Gaza, comment elle a pu briser la technologie du militaire d'Israël? Israël est devenu enragé. Et alors que de nombreux pays, en particulier occidentaux, montrent un soutien inexpliqué et tournent le dos à la Palestine, l'Algérie reste fidèle au peuple palestinien. Un soutien que les Palestiniens ont véritablement conscience, comme le précise Najat Abou Raïta, enseignante à Gaza, contactée par Linda Hamed. Devant ce monde qui a deux visages, l'Algérie, je ne la mets pas avec ce monde. L'Algérie est toujours avec la cause palestinienne. Alors, imaginez, les Palestiniens sont tout seuls dans un monde où on ne peut pas lever le doigt et dire que cet État barbare commet des crimes de guerre en Palestine. Et en parlant de la situation en Palestine et du soutien de l'Algérie à la Palestine, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est rendu ce mercredi au Caire pour participer à la réunion ministérielle d'urgence de la Ligue arabe sur la situation à Gaza. Cette réunion intervient à la demande de l'État de Palestine pour examiner la situation sur place suite à l'agression sioniste contre la bande de Gaza, Chaki Benzaoui. Une réunion d'urgence à l'heure où tout un peuple est confronté à une agression brutale de la part de l'occupation sioniste qui pensait à tort et de manière illusoire que le peuple palestinien est un peuple vaincu, rendu au statu quo. L'occupation a mal calculé et mal jugé la situation. L'Algérie, à travers l'allocution du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, réitère sa position et renouvelle sa solidarité sans limite avec le courageux peuple palestinien. L'Algérie exprime sa ferme condamnation des attentats criminels et réitère sa demande urgente d'une intervention immédiate des organisations et organismes internationaux pour protéger les civils palestiniens de la férocité de l'agression sioniste. Avant-hier, les Nations Unies ainsi que l'Union Européenne ont annoncé que le siège imposé à la bande de Gaza, dont la gravité a atteint des limites inhumaines, est contraire au droit international. À cette situation tragique s'ajoute une autre, non moins dangereuse et inquiétante, une situation qui se manifeste par les formes les plus horribles de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocides qui ont lieu actuellement à Gaza et qui sont susceptibles de s'aggraver dans les prochains jours. Ces conditions insupportables exigent que la Ligue arabe prenne immédiatement l'initiative de mobiliser toutes les instances internationales compétentes, y compris les organes judiciaires, afin de dissuader de ces politiques, actions et pratiques odieuses et d'y mettre un terme.
Merci Cheikh Menzaoui. Et puis cette déclaration du représentant palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, qui a également qualifié de génocide le bombardement par l'entité sioniste de la bande de Gaza et son intention d'imposer un siège complet à Gaza, une déshumanisation aussi flagrante et des tentatives visant à bombarder un peuple pour le soumettre, à utiliser la famine comme méthode de guerre et à éradiquer son existence nationale ne sont rien de moins qu'un génocide, a écrit l'envoyé palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU. Une déclaration vaine, puisque en ce moment même, le président américain Biden est en discussion avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour renforcer encore plus l'armement sioniste contre l'enclave palestinienne de Gaza. Les raids sionistes sont également intensifiés au moment où je vous parle sur le sud Liban. Les sirènes d'alerte ont retenti à Tabariya, Bissen, Haïfa, ainsi que sur le Golan syrien occupé. Mais la résistance palestinienne se poursuit malgré tout. Les différents groupes de la résistance palestinienne annoncent des tirs sur Sderot, Tel Aviv et non loin de l'aéroport de Gourian. Et nous voulions aussi vous parler des fake news, de la manipulation des informations par les médias occidentaux. Des médias occidentaux qui affichent une ligne éditoriale pro-sioniste avec des fake news et des statistiques faussées, en particulier concernant la résistance palestinienne. C'est le sujet traité par Samir Alloun. Une agression de l'entité sioniste transformée sur de nombreux médias, la résistance palestinienne est diabolisée, de nombreux sites électroniques n'hésitent pas à monter des scénarios de toutes pièces, une réalité fabriquée, balayée par les chiffres et les statistiques générées depuis plusieurs années qui démontrent que ce sont les Palestiniens qui sont victimes. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques. Derrière ces médias et ces moyens de communication se cachent bien sûr des lobbies sionistes qui contrôlent tous ces réseaux, y compris au niveau des moyens de communication situés sur les plateformes électroniques, une manipulation de l'information. Depuis les 5 dernières années, l'entité sioniste a fait disparaître l'équivalent de 20% de la population gazaoui. Une réalité qui dérange l'entité sioniste et ses complices traîtres à la cause palestinienne pour mieux véhiculer leur message colonialiste et haineux. Nous sommes en présence d'un projet d'épuration ethnique. Presque 1 million de Palestiniens exterminés, 30% de ces personnes assassinées, des femmes et des enfants. Actuellement, nous avons l'équivalent de 360 enfants qui sont dans les geôles de l'entité sioniste. Quand des statistiques sont manipulées pour donner une mauvaise image sur la résistance palestinienne, l'entité sioniste qui cherche par tous les moyens possibles à tromper l'opinion publique internationale. Et on vient d'apprendre que 11 membres de l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont été tués depuis le début des attaques sionistes contre Gaza samedi dernier. Il est 17h43, minutes sur Al-Jishan 3, c'est la fin de ce journal international.